Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue chez Foxtrot Film. En cette nouvelle année 2024, nous avons décidé de conserver notre émission Un tour d'A86 avec Bob, mais nous avons décidé de changer la manière dont ça allait être tourné et les thématiques abordées. Cependant, nous avons encore dans nos dossiers trois anciens épisodes qui ont été tournés l'année dernière et nous avons décidé de prendre le rythme de diffusion de un épisode par mois. Donc jusqu'au mois de mars, vous aurez des épisodes qui datent de l'année dernière et ensuite vous aurez du coup la nouvelle version d'un tour d'A86 qui sera plus complète avec des jingles, des nouveaux jeux et où nous aurons des invités qui ne traitent pas forcément de cinéma mais de différents métiers artistiques, humoristiques. En tout cas, on va essayer justement de s'attaquer à des choses beaucoup plus larges, mais le concept de l'émission restera le même, faire un tour d'A86 le soir avec un invité et passer un moment un peu plus chill. La qualité sera aussi augmentée à partir de ce moment-là. Et justement, en parlant de qualité, l'épisode qu'on vous diffuse aujourd'hui, on a eu un invité extrêmement qualitatif qui avait des choses super intéressantes à raconter, mais nous n'avons pas été à la hauteur puisque nous revenions d'un tournage en Loire-Atlantique, qu'on n'avait pas forcément le matériel pour faire l'émission ce soir-là, mais on avait quand même envie de la faire parce que voilà, on était sur Paris, on avait envie de se voir et on avait la possibilité de tourner cet épisode avec donc Mathieu Jobard qui était à l'honneur. Et technicien de l'image en général. On voulait quand même vous poster cet épisode parce que même si la qualité est très moyenne, les choses qui sont dites sont quand même intéressantes et pour moi en tout cas c'était important de le diffuser. Donc je vous laisse avec cet épisode d'Un tour d'A86. On se rejoint le mois prochain pour Un tour d'A86 avec un monteur et celui d'après avec un rappeur qui seront donc les derniers de l'année 2023. Je vous souhaite un excellent visionnage ou du moins une excellente écoute. Tu préfères un clic ou un clap? Oh non! Ouais. T'as fait exprès ou pas? Non. Bon, heureusement, il existe la synchronisation automatique sur DaVinci Resolve. Ce qui est bien, c'est que je peux pas mal conduire parce que lui me connaît vraiment comme régisseur. C'est-à-dire que lui, je conduisais les camions sur les tournages. Ouais. Je conduis forcément bien. En théorie, dans l'absolu. Un camion. T'imagines, tu perds tous tes moyens, c'est vrai que t'es filmé. On est sûr. C'est vrai, ouais. Coup de volant. Hop là. Allez, on... Alors, bonjour. Oh, bonjour à tous! Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue chez Foxtrot Film. On se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode d'Un tour d'A86. On est aujourd'hui en compagnie de Mathieu Jobard. Bonjour Mathieu. Salut. Ça va bien? Est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier? Alors moi, je suis principalement étalonneur depuis maintenant 2 ans à peu près. Je fais aussi pas mal de post-production, principalement de la Citana montage, et puis un peu ELEC en renfort, ça m'arrive, et puis bien sûr un peu de réalisation de mon côté. Ouais. Rien de trop fou pour l'instant. Il y a trop de pollution à Paris, donc aujourd'hui on est en... on n'a pas le droit de dépasser les 70 km/h sur l'autoroute. Donc ça fait plus de fun, c'est cool. Ça fait plus de... enfin, on passe plus de temps ensemble. Tant mieux, j'ai envie de dire. Donc tu fais principalement de l'étalonnage. Ouais, ouais. On essaye. J'en trouve beaucoup, mais des petits trucs. C'est ça le problème. C'est que en fait, je voulais à la base plutôt faire un peu plus de télé, un peu plus de pub. Et ils cherchent souvent soit des gens confirmés. Soit des intermédiaires, et je suis encore un peu plus... Moi, je me considère encore un peu comme junior. Okay. Mais du coup, je trouve surtout du court-métrage, un peu de documentaire, c'est quand même pas mal de docu. Et puis là, j'ai un long-métrage quand même qui est tombé. Ah, bravo. Enfin, j'ai pas encore le disque dans les mains, mais théoriquement, semaine prochaine ou semaine d'après, ça va arriver, quoi. Lors du tournage. Trop cool. Donc, c'est tout filmé un peu en plan séquence et tout. C'est okay. Cool, et étalonné, ça va être un peu compliqué. Ouais. Talonné en plan séquence, un peu chaud. J'ai vu des trucs genre aller-retour, tu sais, en mode. Une meuf qui regarde un ordinateur, après elle regarde un mec qui est dans l'ombre. Donc ça, c'est mort. J'ai vu que t'avais fait beaucoup de Nikon Festival. Ah ouais, les Nikon, j'avais fait pas mal. En plus, là, cette année, ce qui était bien, c'est que j'ai une petite prod qui était les Microfolies d'Evry. Ah ouais, j'avais vu ça, ouais. Donc, on m'a apporté un peu d'argent pour faire ça. Et moi, je suis pas du tout chaud pour réaliser. Nikon, parce que ça me saoule déjà. Je trouve que niveau visibilité, ceux qui sont en top, c'est que des gens qui ont déjà leur produit. Ouais, ouais, c'est pour ça que je boycotte un peu ce. Je boycotte pas, j'aime bien. Ouais. J'aime bien regarder, j'aime bien. J'ai beaucoup d'étalonnage aussi pendant les Nikon, ouais, parce qu'il y en a tellement et tout le monde finit au dernier moment que moi j'en ai refusé plein là, ça m'a saoulé, mais bon. C'est pas que je finisse aussi le mien. Mais j'avais quand même fait 4 à l'étalo, j'en ai fait un en ELEC, un en Coréa et un en Réa. Ça fait beaucoup quand même. Ouais, ça fait pas mal déjà. L'année dernière, j'avais fait 8 ou 9. Donc j'attends de battre mon record. 8 ou 9 ? Ouais, 8 ou 9. Après, c'est des films de 2 minutes. C'est des films de 2 minutes, ça va vite. Des fois, il y en a, tu peux le faire en quelques heures. Quoi. Ça dépend ce qui est tourné. Des fois, il tourne des trucs à 80 plans, t'as envie de courir. Des fois, il y a 3 plans. Ouais. Et
Ouais, du coup, là, la Ville des Briques nous donne un peu d'argent pour faire ça. Bon, c'est un organisme qui était géré par la Ville des Briques. Et donc, on a réalisé, en tout dans le groupe, on a fait 6 petits Nikon. Au début, ils voulaient en faire 13 pour rentrer dans le thème. Et puis, déjà vu comment les 6, c'était la galère à gérer niveau production, ils ont bien fait d'en faire que 6. J'avais l'idée, après mon BTS, de faire une autre année en réalisation. Ouais. Et Covid oblige, je l'ai pas fait. Parce que mais tu l'as eu en quelle année ton BTS? J'ai eu en 2020. Putain, mais on est même promo, enfin même année peut-être, quoi. Ouais. On est pas au même endroit. Oui, pas au même endroit du coup. Mais on a eu le BTS en même temps. Donc, là, et toi aussi, tu l'as eu offert Je l'ai eu vraiment offert. Hein. il y avait l'analyse filmique là, c'était CA, du coup, ça c'était chaud. Ah, t'avais une question qui était obligatoire, en tout cas, pour plus philosophie. Voilà, c'est ça. Ah oui! C'était le mensonge. Mensonge et vérité, oui, c'est ça. C'est vérité, ouais. C'est ça, ouais. Mais du coup, en conclusion, merci le Covid. Non, parce que nous, toi je sais pas, mais nous on était en CFF. Contrôle en cours de formation. Du coup, nous on les a eu ces épreuves là. Le silence donne-t-il à entendre? Vous avez 5h30. C'était que des trucs comme ça. Pour mensonge et vérité, c'était faut-il mentir pour dire vrai? Au terme, pour moi, ça me prendrait 5h30. Hein. Voilà. Après, t'as eu philo, donc bon, t'as eu 17 en philo là, donc 20 jours. Ouais, c'est vrai, tu fais relis. T'as fait combien de pages à peu près? Oui, c'est ça, tu te fais relis par rapport au cinéma, puis par rapport à d'autres œuvres littéraires et des trucs, machin. Comment on fait combien de pages avec ça? 4-5. Ouais, c'est ça, 4. C'est un peu spoil, mais quel âge, tu penses qu'il a quel âge? T'as dit qui est le meilleur jeu? Non. 16? Non. Là, il dit 15, c'est pas possible. Ça, là, il réfléchit. Bah ouais, 18 exactement. Alors je tenais d'être que t'as vraiment niqué le jeu, je voulais vraiment faire le jingle du jeu et tout. Tu montes sur quoi d'ailleurs? Je monte sur première. Ah, tu montes sur première quand même? J'étalonne sur DaVinci. Bah ouais, c'est pour ça, je m'en doutais, ouais. Mais du coup. C'est de la merde DaVinci. Ah ouais? Là, je suis assez objectif. Ah ouais? Non, mais j'ai été habitué à première et puis à Avid aussi. Ah putain, tu sais faire du Avid? T'as appris à l'école ou. Non, c'était en stage, en télé. Ah bravo, chez qui? Chez Pouf France, ouais. Et ça t'a plu cette expérience ou pas? Bah déjà ça m'a fait une intermittence une année. Ça j'ai ouais. Je dis pas non. C'était intéressant parce que du coup ça m'a permis d'apprendre Avid, le fameux. Oui. Et ouais, j'arrive sans connaître Avid, assistant monteur, ça me joue en stage, tu vois. C'est sûr que c'est un sacré bordel Avid. Ouais. T'arrives sur le truc, tu fais mais je connais pas ça. Oh t'inquiète, tu vas apprendre. Ouais. C'est pas intuitif du tout, mais en vrai c'est. Vu que t'as. Tu vois, c'est l'inverse de DaVinci Resolve. C'est pour ça que j'aime pas trop DaVinci, c'est que. Sur Avid, t'as une manière de faire les choses, on n'a pas 50. C'est un petit peu comme les gens qui préfèrent Apple et qui préfèrent Windows, tu vois. Genre en mode. Avid c'est Windows et DaVinci c'est Apple quoi. Ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire Apple, bah, tu peux faire les choses d'une seule manière, que sur Windows, bah, tu peux rentrer dans les codes, les machins, changer des choses assez facilement. Trop de compliqué pour moi. Hein. Je. T'aurais tendance à dire que Avid c'est archaïque ou pas? Ouais, carrément. C'est très. Enfin, ça a amené beaucoup de choses qui sont vraiment cool. Tu vois, le principe de bosser à plusieurs sur le même fichier, par exemple, tu vois. Ça, c'est vraiment super cool. En tout cas, surtout quand t'as des assistants, etc. C'est pour ça qu'ils l'utilisent en télé maintenant. Puis parce que t'as les stations, t'as tout ça qui est déjà équipé comme ça et que ça a coûté une blinde. Ils veulent pas passer sur d'autres logiciels. Que... J'espère qu'à la boxe, ils ont des piles. Est-ce qu'on est... Si tu veux du gaffeur, on peut t'en donner. Non, en fait. Plus je m'avance comme un connard. Alors justement, tiens, vu qu'on parle de gaffeur, on va arriver. Vu qu'on parle de connard. Gaffeur. Non, mais il y a un jeu. Alors c'est pas le jeu de gaffeur. Alors c'est pas un jeu, mais c'est une question qu'on pose à chaque invité. Ah, ok. C'est pour toi, quel est l'objet que t'as en tournage qui est pour toi vraiment sain? Enfin vraiment. Sain. Cet objet qui pour soi est l'objet divin, important. Quoi. Par exemple, quand tu vas sur un set et que genre s'il y est pas, c'est chiant quoi. Oui, ou un outil avec lequel tu aimes bien travailler, pas tout corps de métier confondu. C'est le principal. Voilà, si tu veux en donner deux ou trois, pourquoi pas, mais okay. Si tu étais à avoir qu'un seul métier et qu'un seul objet pour Je suis souvent élec, du coup je vais dire les gélatines, parce que j'aime beaucoup modifier la lumière. Je sais. Tu fais plus souvent pourquoi je vais choisir même dans les jets dans les jets tu fais natif c'est la vie et quand je réalise ouais je dirais plutôt moi j'aime bien avoir un petit découpage en fait je prends mon scénario et je découpe directement dedans ouais genre en fait qu'est-ce que j'imagine garder au montage et sans ça je suis pas c'est clairement ça c'est
Après, c'est le truc aussi, quand tu fais des courts-métrages, au début, tu dois tellement tout gérer avant de tourner que t'as même pas le temps de te concentrer sur ta réalisation. Et t'arrives sur le tournage, et t'es là, genre, ok, qu'est-ce que j'ai fait il y a deux semaines? En fait, je fais tout en même temps. Je fais un plan de feu au sol, donc avec la déco, avec les axes cam, avec l'autre poche dessus. Mais je mets juste pas les lights, parce que bah, quand même, j'ai fort quand même qu'il faut ça plus tout à fait. D'accord. Et comme ça, tu donnes ça, c'est plus, je trouve ça cool, tu vois, tu donnes. À ton chef up et en fait à chaque prise tu gagnes un peu de temps parce qu'en fait tu vas voir tes acteurs, lui il a le temps de passer sa cape, de commencer à dépasser ses lights, et pendant ce temps là en fait le temps que tu as briefé déjà tes acteurs et qu'ils se mettent un peu dans l'idée de la scène, tu peux aller le voir, il a déjà fait un changement, et à chaque prise tu gagnes 10 minutes en fait d'install. Ça c'est génial. Alors, souvent au sol c'est un plan vraiment filmé du dessus, enfin, et donc du coup tu vois les mouvements de caméra ou tu peux passer aussi c'est les vraiment un plan d'architecte en fait en ouais, voilà. Ah d'accord, avec des petits bonhommes enfin tu vois c'est rapide c'est plus rapide à faire que c'est genre c'est la vérification sur le temps pas, mais par contre c'est sur l'efficacité sur le tournage peut-être le mieux c'est d'avoir les deux de toute façon, c'est d'avoir un découpage et ton plan au sol, comme ça les gens ils travaillent un peu ce qu'ils sont en film. Comme tout à l'heure pour le. Parce que du coup, on a regardé aussi, on l'a vu ensemble, du coup, l'autre film que tu as réalisé qui a été nommé et récompensé aussi d'ailleurs. Pas mal de récompenses à l'international. Mais des petits trucs, en fait, vu que le film est un peu indépendant, et moi je considère que c'est plutôt un film, tu sais, genre pas qu'il doit passer en salle, mais qui doit passer, tu sais, genre en streaming chez toi tranquille, vu que c'est un truc qui est un peu en mode faux documentaire. Documentaire sur les rêves lucides. C'est un truc plutôt à apprécier, pas forcément en salle. Ouais, tranquille chez toi, exactement. Prendre le temps, c'était envie de répéter une phrase, c'est permettre de zapper un truc. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, mais pourquoi le rêve lucide? C'est vrai. Ça, c'est un thème que je voulais aborder parce qu'il y a un moment, j'en faisais pas mal. Mais non, attends, tu sais que t'arrives à en faire. Il y a un moment, j'en faisais parce que peut-être vous y intéressez. Donc, comme on a dit, ça demande l'entraînement par contre. Ouais, on en a parlé beaucoup avant. Ouais, on en avait parlé juste avant. Le principe de, surtout de mon petit docu, c'était. Faux documentaire. Mais alors du coup, l'intérêt en fait pour ça, il me dit, les gens se disent, ok, qu'est-ce que c'est en fait? Mais pas, enfin, c'est où ton procédé toi? En fait, tu choisis pas vraiment, enfin, le site en fait, c'est. Ce qui m'intéressait surtout, c'est de noter mes rêves. Tu te lèves le matin, tu notes. D'accord. Tu notes, et puis normalement, il y a des moments, ça m'est arrivé peut-être 5 ou 6 fois, tu vas te faire des rêves aussi, où tu te rends compte. Tu rêves dans le rêve, mais tu vois, je choisis pas ce moment-là. Mais c'est souvent un élément extérieur, tu vois. C'est moi, en début de semaine, j'ai pas fait un rêve lucide. J'ai fait un rêve éveillé. Éveillé. En fait, non, je pense qu'il y a une distinction, mais sur laquelle tu vas m'aider peut-être. Ouais. C'est-à-dire que j'étais conscient que j'étais en train de rêver. Mais t'as pas fait d'action. Mais je pouvais rien faire. Pour savoir si c'est un rêve éveillé ou pas, que t'as fait, genre, souvent, tu te demandes. Des fois, c'est sur la tangente comme là. Tu vois. Ouais. C'est, en fait, chaque rêve, normalement, tu oublies. Le rêve lucide, le réveiller, tu l'oublies pas. Vu que tu l'as vécu, vu que tu étais conscient, en fait le cerveau il traite ça comme une information consciente. Et du coup il va pas l'effacer. Parce qu'en fait quand tu dors, tu rêves tout le temps en fait. C'est juste que tu restes un vol oublié. 24, presque dans toutes les phases. Et sauf qu'il y a qu'une seule partie que tu te souviens, c'est souvent la dernière. Où tu te réveilles tout le temps. Ouais, t'as le jeu du synopsis. Le jeu du synopsis, c'est. Tu veux commencer par ça? Allez, tu vas penser à ton film préféré. Est-ce que c'est Inception? Ça va. Comparé de rêve lucide et tout. Je l'ai pas vu. Énorme! J'ai écrit un truc sur les rêves lucides, j'ai pas vu l'Inception. Et j'en fais une rêve. Enfin, Oui! J'ai un homme qui a deux rêves. C'est quand il se regarde sur la plage. C'est pas fait exprès? Je l'ai pas fait exprès. Il y a une scène super importante dans Inception. Je peux spoiler du coup ou pas? Non, vas-y, spoil. Oui, en gros, t'as leurs deux visages filmés de la même manière que toi, mais ils sont sur un rail de train en fait. Tu penses à ton synopsis. C'est choc, ouais. Et tu vas nous raconter le synopsis de ton film préféré. Et le premier de nous deux qui a trouvé à gagner. Non, il est en train de réfléchir au film. Mais prends ton film préféré. J'ai un gros problème de mémoire à chaque fois sur les noms, sur les prénoms, sur les noms des films. Je me souviens même plus de mon film préféré. Oula. En tout cas, moi, c'est Florentin. J'ai un fait de service. Mais non. Tu te souvenais plus de mon prénom et t'es allé voir la. Ouais, je me souviens des prénoms de personne. Incroyable. J'ai une ex, je suis sorti avec elle, je savais pas comment ça s'appelait. Attends, t'as pas besoin de me dire la raison de notre séparation. C'est horrible. Ça rentre pas. C'est un truc de problème que j'ai. C'est l'histoire d'un mec qui a un taf un peu stylé, mais qui a envie un peu d'arrêter ce genre de choses parce qu'il en a bien marre. Et il tombe sur une meuf un peu sur un accident, on va dire. Le monde de Nemo. Et
de fonctionner enfant et qui va un sorte de. De rouillé d'os ? Non. Qui va un sorte de. Tu sais, du truc d'adoption, là, les archives et tout. Et en fait, il se passe que ce truc d'archives, en fait, c'est aussi un truc pour les services secrets. Et t'as envie d'essayer d'en finir. Et il se voit en fait en voulant se buter et il tire sur un mec. Et en fait, il se retrouve avec cette meuf qui le kidnappe pour essayer de trouver. Parce qu'en fait, t'apprends que lui taf dans ce milieu, tu vois. Donc, putain, c'est Dieu les cons. Ah ouais, j'ai pas lu. Dieu les cons ? Ouais. C'est un vivant ça ? Oui. C'est pour ça que je le connais pas. Il a gagné meilleur film 2021-2020, je sais plus quand il est sorti. J'ai jamais entendu parler. Ok. Mais écoute, tu nous as battu. Ouais. Alors, je crois que c'est la première fois que. Non, je pense juste qu'on ne connaissait pas. Ouais. T'as juste pas eu cette chance. Tout ce qui va se passer à partir de maintenant n'est pas gardé en monde. Ok. Si t'as des trucs à dire, t'as le droit. Si t'as envie de ne rien dire. Ok, c'est parti. Qu'en as pensé ? C'est vrai, du coup, on a fini, c'est pas le tour. Exaltant. C'était exaltant. Je pense que c'est le bon. Non, mais vraiment, c'est vraiment cool ce genre de moment. Ça plane un peu, tu vois. Bon, et si on arrivait enfin à ce putain de jeu de Lego, tu vas donner un numéro entre 1 et 95. Ok. Et nous, on va devoir dire département et préfecture. C'est en 5 points, et c'est toi qui arbitre pour toi lequel des deux a été le plus rapide. 2A. Oh, Corse du Nord, du Sud. Bastia. Oh non, merde. Ça, c'était Ajaccio, la Corse du Sud. Ah, c'était Ajaccio, chance. 51. La Marne, Reims. Ça connaît chez moi. Reims. Oui, sans aucun doute. La Marne, Reims. Non. On parie ? Bah sors ton téléphone. Marne. Marne, Reims. Je vais attendre. Mais tu sais ça quoi ? Chalon, Champagne. Ah non. Oh putain le bâtard. C'est pas c'est possible. C'est marrant, alors là, juste pour l'ingratitude, il a dit ok on parie, c'est 2 points pour moi. Non mais en vrai t'as raison je crois. Bah j'ai raison. Le mec il a reçu Reims avec une arrogance, vous avez pas vu. Non mais si, si. En fait, ceux qui écoutent le podcast, c'est incroyable. Reims c'est la ville qui est plus grande et surtout tu sais pourquoi ? Parce que Chalon en Champagne ils ont pas d'équipe de foot alors que Reims. Ah mais tu sais pourquoi ? Moi j'ai appris mes départements. Okay. C'est Chalon en Champagne. Voilà, tu... Hein ? C'est Chalon en Champagne. Attends, tu peux répéter ? Chalon en Champagne. Chat. T'es bien entendu. Okay. Reims c'est la préfecture de la Champagne. C'est le la capitale ça de la Champagne. Plus, ça n'existe plus la Champagne. Et du coup, oui en plus ça n'existe plus. Mais du coup on se bat le truc en fait à chaque fois qu'il y a un match de foot 3 Reims, moi je suis supporter de 3 du coup, à chaque fois qu'il y a un match 3 Reims, le gagnant est considéré comme la capitale de la Champagne, tu vois, donc c'est archi violent. Alors je veux dire 94. Val-de-Marne Créteil. 44. Loire-Atlantique Nantes. Mais tu me sors que ça où j'étais en ce moment. Ah mec. Le 18. Bourges, cher. Ah ouais, ouais là, je suis pas efficace, je suis pas dans mon match là. Hein. 79. C'est la Nièvre ou Nevers ? Ça, je sais pas. Non. Attends, 79 ? Les Deux-Sèvres. Deux-Sèvres-Niort. 4-2. Le 50. Oh, la Manche. Saint-Lô. Il y avait que Malo qui venait. Malo. Mais il y a Saint-Malo à côté. C'est le 06. 60. Ah, le 06. Attends, 06. C'est Alpes Maritimes. Nice. Oh, mais non. Oh, mais oui, c'est basique. Simple. Oh, c'est basique. En plus, je l'ai dit pas sûr de moi. Tu sais, j'ai vraiment mis tout le temps. Oh, c'était le truc le plus basique de tous les temps. J'ai vraiment éclaté avec douceur. Ouais, ouais. Ça va être chaud. Ouais. Avec arrogance, bien joué. Non, la prochaine fois, je réviserai. Il y a la musique aussi. Ah oui, c'est vrai, putain. Musique. J'ai pas fait continue. Si. Non. Mais il avait pas envie de jouer. Mais t'as. Oh, c'était gratuit. Chacun notre tour, on va mettre une musique. Ok. N'importe laquelle, une musique qu'on a envie d'écouter ou de faire partager. On peut expliquer pourquoi ou pas. Voilà. Tu commences, Bob ? Moi, j'ai putain. Ah, ça va, t'as une idée ? Bah, vas-y, let's go. J'ai rien dit. Car Civilisation de Rolls, je pense. Oh. Civilisation, le titre ? Le titre. Il a porté peu d'informations à ton image. Ouais, j'ai vu. C'est compliqué pour moi là. T'as trouvé ou pas ? Non. Ok, donc du coup pourquoi ? Ça m'inspire pas mal. Ouais, écrire. J'aimerais bien faire un truc en prochain cours, je pense que je l'écrirai un peu sur un truc un peu écologique, un peu sur l'avenir, mais j'aimerais bien me lâcher et faire des trucs un peu vénères. Moi j'en ai une. Bah vas-y, mets-la. Ouais, elle a un petit peu en rapport du coup. Si c'est toi l'histoire triste. Et du coup, celle-là, elle se coupe bien avec Adieu les filles. Tu veux dire, tu veux mettre un ? Pour la ref, c'est pas mal, mais en vrai. Non, ouais. Je sais pas. Ah, c'est vrai. Vas-y, Adieu les filles alors. Ah, ouais. C'est pas ça ?
Mais non, mais adieu les filles de... Pas de Squeezie. Qui ça? Bah de Relsan. En fait, c'est la suite. C'est pas le titre. Bah si. Ah, tu vois, c'est la suite. Tu vois? Zora. Tu savais pas qu'il y avait une suite? Je sais pas, c'est ce titre-là. Et donc en concert, il enchaînait les deux, tu vois. Du coup, tout ça, ça a fini sur... Un triplé de Relsan. Bon, c'est juste que il m'a inspiré et je l'ai inspiré. Là, la suite. Là. Ah non. Bon, bah écoute, mec. Mais écoute, merci d'être venu. J'espère que cette soirée t'a plu. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller voir le travail de Mathieu Jobard. J'ai un Insta aussi, Mathieu.Jobard. Merci Mathieu. Et à très bientôt. Merci, à bientôt. On se revoit, pas de problème.